Bon, ben un matin, on a décidé de starter ça au Tim Hortons avec un classique café. Puis là, en même temps, je me suis ramassé un petit cheese. J'aime ça me gâter une fois de temps en temps. Attendez. On est rendu à Forestville. On va juste remonter mes vitres parce que là, on est justement sur le bord de la route. Il y a gros des trucks. Fait qu'on est parti de Raguenaud. Raguenaud. Puis là, on s'enligne peut-être pour prendre le traversier parce que j'ai checké un peu le millage qu'on fait quotidiennement. Puis, attendez, ouais, comme ça. Fait que là, d'après moi, on est capable de se rendre presque jusqu'au traversier. J'aurais voulu peut-être arrêter au Bergeron, Grande Bergeron, quelque chose comme ça. Puis, je sais pas trop. Tout dépendant de la température qu'il va faire aujourd'hui, demain, ça peut faire bien la différence sur le millage qu'on va faire. S'il ferait beau, ça serait peut-être pas pire qu'on aille faire un petit peu de randonnée demain. Mettons, s'il ferait beau demain. Ou moins pluvieux. Fait que là, c'est ça. Aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'on va faire parce que c'est encore pas ben brumeux puis pluvieux un peu, brumasseux. Fait qu'on s'enligne, je sais pas trop aujourd'hui. Ça va être de la grosse improvisation, mais on va y aller au feeling. Fait que ça va être ça aujourd'hui. On va se promener, puis on va regarder ce qu'il va faire comme température pour prévoir un peu pour demain. Fait que c'est ça qui est ça. On a décidé d'arrêter à Longue Pointe. Ou Longue-Rive, je m'en souviens plus. Je pense que c'est Longue-Rive. Là, on est arrêté dans le fond à la. Comme une petite chapelle. Dans le fond, on voulait aller voir le point de vue que ça pouvait nous donner. Là, il y a comme un beau petit sentier là, que je vais découvrir en même temps que vous. Les dunes, c'est impressionnant, là. Une méchante drop. Ouais. Une méchante drop, là. Je sais pas si l'inclinaison est genre. 90. Non, plutôt 45 degrés, entre 30 et 45 degrés. Puis d'après moi, il y a toujours moyen, ceux qui sont un peu willing.
de se pogner une planche de surf là, que tu vas scraper là, de snow, puis tu descends ici, jusqu'en bas. Mais sauf que je pensais, moi, ça serait du sable, mais c'est de la gravelle. Ça fait que si tu tombes, là, watch out, il y a des bouts de peau qui vont voler. Mais c'est ça, je pensais que ça serait un petit peu plus tranquille de ce que j'ai vu. Florent de ma vie en vanne, je pense qu'il est venu en basse saison, peut-être au printemps ou quelque chose de même. Parce que quand il est venu, ça me paraissait vide, mais là, il y a du monde sur la plage. Partout, partout, partout. En plus qu'il y en a, tu sais, il y a du monde. C'est dune, sur le dessus. C'est impressionnant la vue, là. C'est rare qu'on ait ça. Une vue aussi dégagée. T'sais, la vue est à l'infini, là, puis on est vraiment haut. Puis en plus, c'est comme un beau point de vue de la plage en bas. Le point de vue est à voir. Mais c'est justement, si vous cherchez une petite place tranquille, là, c'est pas ici que ça se passe. Trouver un beau spot ici. Là, il y a comme une gang en haut. Ils sont en train, on dirait, de se challenger, savoir qui va descendre le plus vite puis qui va se râper la peau le plus fort. Ouais, ça court en descendant. S'il y en a un qui plante, il va faire cul-tête, 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 cul-tête jusqu'à temps qu'il se ramasse direct en bas de la dune. Ouais, on a l'air d'être pas pire. En tout cas, ça serait sûrement ici que tu peux emmener ta planche et que tu peux t'essayer. Je suis en belle place pour s'énerver. Là, avoir une machine à gaz, là, c'est clair que ça se passerait pas mal ici. Belle petite hôtel. On s'est fait pogner un peu par la pluie. On est arrivé à un spot qu'on pensait pour la soirée. Finalement, c'est interdit de. Pas le droit. Non, c'est ça. C'est interdit de camper. Ça fait qu'on fera pas nos rebelles. On n'ira pas oser rester ici toute la nuit. Fait que là, on s'est quand même équipé un peu parce que c'était mis à pleuvoir. Mais là, ça tombe en fou. Ça fait qu'on s'est caché. Adèle, elle a un coupe-vent. Puis moi, j'ai un soft shell. C'est pas tant imperméable, mais ça fait la job en masse. C'est bon, tu sais. Là, ça tombe en fou, ça fait que là, on s'est réfugié en dessous d'une épinette. Et on appelle l'épinette une par-dessus l'autre. Là, ça fait quand même un bon top là, qui nous empêche de se faire mouiller. On attend que ça se calme avant de remonter. Mais méchant beau spot, Cap au Rocher, comment ça s'appelle ça ici peut-être? Baie des Rochers. Ouais, Baie des Rochers, en tout cas, pour venir passer une petite journée tranquille. Il y a des sentiers, il y a une super de belle vue, il y a les rochers, je vais vous montrer ça. C'est assez impressionnant. Ce qu'on se disait, là, on va changer de bord. Comme on a vu là à Raguenau, c'est que s'il y aurait une petite boîte, la contribution volontaire, là, il se ferait une fortune ici parce que moi, je serais prêt à payer 20$ pour rester ici pour la nuit. Là. Hey. Le spot est vraiment tranquille, puis on est loin de, t'sais, des grosses municipalités. Là. On a fait une demi-heure pour venir ici, plus le petit chemin, là, 10 minutes. 45 minutes proche là. Fait qu'on serait clairement tout seul de toute façon.
Puis en même temps, on dérange personne. C'est ça le pire, là. On dérange personne. Il n'y a pas un chat ici, de toute façon, naturellement. Puis là, nous autres, on arrive avec notre véhicule, on est autonome, on est respectueux, on est prêt à payer pour rester ici, mais il y a une pancarte qu'on ne peut pas rien faire. On n'est pas rebelle, là. On n'ira pas bousculer les choses, là, puis encore se barrer plus de barrières. Là. Fait que là, c'est une réflexion qu'on faisait. Ben, moi, que je faisais, puis j'ai partagé à Adèche. Je pense que ce serait une bonne idée. Il y a quand même des frais de base qui sont impliqués juste à l'entrée de cet emplacement-là, gratuit. Mais ça l'aiderait à soulager financièrement les municipalités ou les organismes là, qui font ça bénévolement. Puis en même temps, ben, ça permettrait d'upgrader un petit peu le site. Puis comme on a vu à Raguenau, là, tu sais, t'installes des petites plateformes pour les tentes parce que là, t'as les moyens, t'as de l'argent qui rentre. Puis tu structures l'endroit. Je pense que c'est dans l'air du temps aujourd'hui, en 2020, je pense que c'est le genre de choses qu'il faudrait qu'il se passe. Genre pour la saison 2021, là. Moi, j'aimerais ça voir ça plus d'endroits là, comme à Raguenau, là, qui est une petite municipalité, mais qui ont innové. Puis ici, on a un spot enchanteur. On le voit-tu bien? Ouais, on est comme en contre-jour, là. Ça fait que là, ça fourre un peu la lecture. Le spot est assez beau, là. C'est incroyable. Il n'y a pas un chat. Il y a des sentiers. Fait que, tu sais, on a tout là, pour avoir du plaisir. Puis moi, ça me dérangerait pas pantoute d'allonger la palette. Même si tu arrives ici, tu sais, mettons sur iOverlander, tu sais pas trop si c'est gratis ou pas. Mais quand tu vois une petite boîte de contribution volontaire, ben, tu sais, fais pas ton cheap, là. Tu sais, tout le long, nous autres, tu sais, c'est une manière d'économiser. On va se le dire pour de vrai, là. Quand on fait du boondocking, c'est une manière d'économiser un peu. Pour vivre des activités ailleurs que... Ben, tu sais, c'est surtout pour payer autre chose que de l'hébergement parce qu'on a comme une philosophie où qu'on est plus des gens comme moi, j'aime prendre une petite bière. Ça fait que là, c'est sûr, je vais aller encourager la microbrasserie de la place ou manger un bon steak dans une bonne brasserie. Ça fait que là, c'est le même principe ici. On a des sentiers, on a des activités qui viennent avec le site, c'est gratuit. Mais t'sais, pour, t'sais, quand on y pense, là, il faut bien que quelqu'un paye pour ça à un moment donné. Fait que quand tu arrives à une place où ce que tu couches puis que ça coûte rien, mais tu as une petite boîte, mais t'sais, autour du site, tu as la vue, tu as les toilettes, tu as comme plein de trucs qui viennent d'emblée avec le spot. T'sais, pourquoi qu'on paierait pas pour ça? J'aurais même pas ça dans un camping à setup de même. Là. T'sais, si on veut garder nos spots, puis donner la volonté aux municipalités de vouloir nous développer, mettons, des sites à nous, là, ça serait au boondocker, on est un peu cheap ces bars. Il va falloir qu'on se conscientise que si on veut continuer à faire notre loisir préféré, qui est de coucher un peu partout, à notre guise, avec des beaux petits spots qu'on trouve. Mais, tu sais, comme les pancartes, là, t'sais, ils sont même pas rouillés. Regardez ça, là. Ça, là. Ça. Ça. Il n'y a même pas de crotte d'oiseau là-dessus. Ils ont posé ça avant hier. Avec ce qui s'est passé dans la Gaspésie, l'île aux coudes, puis tout. C'est dur de se lancer pour nous autres. Mais si il y a des gens qui nous mettraient, tu sais, au lieu d'une pancarte de même, là, une petite boîte, contribution volontaire acceptée, merci beaucoup, bonsoir. Ça réglerait bien des problèmes. Parce que là, moi, il me semble, il y en a une gang qui le voit venir aussi, là. L'année prochaine, en 2021, watch out, on va être brûlé. Il n'y aura plus de place. Ça va être soit le camping, ou soit on va être encore plus rebelle, puis on va avoir encore plus à se brûler. À un moment donné, en 2021, il va falloir se responsabiliser toute la gang, puis en espérant qu'il y ait des idées qui sortent de tout ce qui est en train de se dire sur les réseaux sociaux. Pas juste du chialage, là. Tu sais, moi, chialer pour chialer, là, je déteste ça. Moi, j'emmène une solution. Mettez-nous des petites boîtes de contributions volontaires, puis on y va à la hauteur de nos portefeuilles. Moi, si j'ai du cash, je vais en mettre plus. Puis s'il y en a un autre, là,
qu'il y en a moins parce qu'il est un petit étudiant, puis il y a de la misère, mais il a le goût de vivre une aventure. Et moi, je serais pas regardant de le voir mettre juste un 2$ ou un 5$. Tu sais, à un moment donné, là, moi, je juge pas personne là-dedans. Mais je vais juger la personne qui met rien par tout, par exemple. Mets 1$, mets 2$, mets 10$, mets 100$, mets quelque chose, n'importe quoi. Mais entre les deux, si on veut mettre quelque chose en quelque part, ben ça va nous prendre des petites boîtes. Après ça, à toutes les semaines, tu vas ramasser ce qui traîne là-dedans, tu mets ça dans une cagnotte, puis tu entretiens le site. Puis à la limite, ça ne te coûtera pas une fortune. Il va t'en rester un petit peu pour un peu peut-être aménager le site différemment. Là, tu sais, mettre une ou deux toilettes chimiques pour contrôler ce qui se passe sur le site, au lieu qu'il y ait du monde qui s'en va partout dans le bois faire des numéros 2, puis après ça, là, tu marches là-dedans, surtout comme ici, tu as des sentiers. Là. Moi, j'ai pas le goût de piler dans le caca du voisin. Là. Ça te prend des petites toilettes. De toute façon, c'est ce qui va se passer. Mais là, tu as un meilleur contrôle sur ce qui se passe sur ton territoire. Tu mets des petites boîtes, tu mets des petites toilettes parce que là, c'est rendu que tu as les moyens. Un moment donné, plus tard, ben là, comme on a vu à Ragueneau, ben, tu installes des petites plateformes pour les tentes pour pas qu'elles s'installent dans le bois partout et qu'ils brisent tout. Tu mets un petit peu de gravier pour niveler ton aménagement pour que le monde en VR il s'installe en quelque part qui c'est mieux que d'être sur la plage ou à reculer après une épinette ou un peu n'importe où dans le bois. Tu sais, tu délimites une zone, mais parce que tu as les moyens, tu es capable de faire ça, ça accroche parce que tu as mis une boîte de contribution volontaire puis que tu as un petit peu d'argent qui sort de là-dedans. Mais tu sais, tranquillement, pas vite. T'es pas obligé d'avoir le gros setup en partant, mais il faut au moins qu'il y ait une boîte. Après ça, un coup, tu as tout ramassé l'argent qu'il y a là-dedans. L'année prochaine, tu te dis, bon, budget, dans le baquet administratif, mettons, parking pour VR. OK, on a réussi à ramasser 1500$ de dons. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Faut qu'on le brûle au complet. Bon, ben un peu de gravelle, 2-3 toilettes, la location qui vient avec ça, une table ou deux. À la limite, tu peux quasiment te mettre à côté de la petite boîte volontaire, le don volontaire, ben des règlements du site. Quand tu veux, tu peux. Là, on l'a vu, là, quand on est allé sur la Côte-Nord, là. On cherche des idées. Il y en a des idées qui sont déjà implantées. Tu sais, allez donc voir cette petite municipalité-là, comment ils s'en sortent. Puis voir comment ça, c'est tant ça accroche. Puis comment ça que c'est si beau que ça. Puis que c'est si petit comme municipalité. Pourquoi que les grosses municipalités, ils n'ont pas ces moyens-là, mettons, techniques ou peut-être une volonté du milieu là, qui n'est pas si grande que ça. Mais là, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Parce que, ben, tu sais, cette année, ça va super bien. On voit en Gaspésie, c'est à Côte-Nord, là, il n'y en a pas eu de problème. Dans la Gaspésie, je pense l'année prochaine, ça va brosser pas mal. Un peu déçu tout à l'heure quand je suis arrivé au bout du Kirim, c'est triste, on pourra pas s'installer là. Mais là, en remontant, il reste le petit ruisseau qui est sur le bord du chemin. Ça fait que on en profite quand même. On n'a peut-être pas la vue à l'infini là, du fleuve vers je sais pas trop où, la planète Mars. Tu sais, il y a le fleuve, on dirait qu'on voit. Si ça serait pas de l'horizon, là, on verrait les étoiles puis on verrait la fin de l'univers. C'est comme on dirait quand on y pense au niveau philosophique. Là. L'horizon, là, c'est à l'infini et encore plus loin. Mais là, c'est pas ça ici. Il y a quand même un petit visuel que moi j'aime bien, ça me rappelle mon petit coin de pays. Puis je trouve que la nature, quand il y a des arbres de même, les petits feuillus, puis les petites épinettes un peu partout, comme c'est là, les épinettes, on n'a pas bien. Même si, ben c'est vrai qu'on a quitté la Côte-Nord, on est dans Charlevoix. C'est pas le même couvert végétal. Mais je trouve ça apaisant, dans le fond. C'est le fun, la vue à l'infini là, du fleuve, mais on dirait que quand je me retrouve dans le bois de même, je suis aussi bien, puis des fois même mieux, parce que ça me sécurise, ça me rappelle la maison. On est-tu bien dans le bois, hein? Fait le gars de bois, il est bien dans le bois. Ouais. Fait que là, je pense qu'on va sortir le petit 4 litres de vin, on va se servir un petit verre, puis on va relaxer en attendant que notre soupe se bouille, se prépare tranquillement, pas vite. Puis on va sûrement y aller avec le principe de copper soup. On a sorti des petites tasses à émailler, là. Ça, c'est cool. On va mettre notre petite soupe là-dedans, on va à boire, puis rendu à la fin, quand il reste juste les légumes et les nouilles, on sort la petite fourchette ou la petite cuillère. Et on garde ça simple en vacances. Moi, j'aime ça. Fait que je vais redonner des petites nouvelles tout à l'heure si on est encore parqué ici en 9h ou si on a le big fly. En espérant que c'est ici qu'on reste parce qu'on est tellement bien. Bon, ben finalement, on a,
on a réussi à s'installer à cet endroit-là. C'était 8h30. On a attendu pour être vraiment sûr qu'on était correct. Puis là, ben, Adèle a décidé qu'elle ouvrait le top. Ça fait qu'on a mis ça de niveau. Ça n'a pas été trop long. Mais là, il est rendu 9h25. Il y a du monde qui arrive. Genre, on est dans le bois. Il y a de la place en masse. On est à peu près à 5-6 pieds de nous autres. Je te dis. Fait que là, ben, à soir, on a mangé une petite soupe. On a relaxé en écoutant un petit peu de jazz. Puis là, on est en train d'écouter Angèle Guilbeault à Radio-Canada, du petit classique, piano et compagnie. C'est relaxant. C'est pas mon genre naturellement, mais n'empêche que j'aime ça, écouter de la petite musique relax de même une fois de temps en temps. Fait que là, on écoute un peu d'Angèle Guilbeault là, avant de se coucher. On prenait une petite bière. C'est sûr que la petite bière, elle aide pas mal à relaxer. Fait que là, on va aller se coucher.